Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paddle pour la suite de la phase finale des championnats par équipe. Si vous avez suivi la dernière vidéo, on a remporté notre quart de finale 3-0 contre Jules. Et là du coup on enchaîne demi-finale contre Puget. Et grosse rencontre qui nous attend. On a mis en place une stratégie qui au final est la meilleure. Donc là ça va partir. Notre double 2 va commencer, ça va être Simon et Yvan ensemble qui jouent contre l'équipe la moins forte des 3 qu'ils ont faite. Puget, ils ont fait une bonne équipe, une équipe numéro 3 solide. Et du coup, ça sera gros match contre Gilles et Arnaud. Et derrière, normalement, on espère qu'on gagne les deux premiers doubles et que derrière, ça soit fini. Si jamais il y a un partout, ou 0-2, mais j'espère pas qu'on perde les deux doubles, ça sera Alex et moi contre leur équipe numéro 1. Et là, pour le coup, ça joue l'acier. Parce que c'est Cyril et Stéphane qui sont classés Cyril 1500 et Stéphane aussi bien classé. Donc voilà, mais en tout cas, la stratégie qu'on a mis en place, c'est parfait. C'est le meilleur truc qui pourrait nous arriver. Donc là, ça va partir. C'est le double numéro 2 qui commence. On va essayer d'attaquer sur une victoire, on va les encourager à fond et je vous dis bonne vidéo, souhaitez-nous bonne chance, let's go. Allez, c'est parti pour cette demi-finale, donc là on arrive sur la fin du premier double avec Yvan et Simon qui ont fait un bon début de match. Ils menaient 5-2, ils se sont fait un peu remonter mais ils sont sortis là 7-5 au premier set et là 5-4 au service pour conclure. Magnifique par 4 de Simon. Allez, deux balles de match pour conclure et bien lancer l'équipe. Bonne volée et c'est gagnant. Allez, parfait, bien joué. On prend l'avantage, donc 1-0. Il nous manque plus qu'un double pour se qualifier en finale. Malheureusement, là, dans le double numéro 3 donc, qui a suivi, Gilles et Arnaud ont perdu le premier set. C'est un match extrêmement serré, ça joue vraiment bien des deux côtés. Là, on est au service pour rester dans le match. Il faut absolument prendre ce jeu pour les forcer à servir pour le match et pourquoi pas revenir. Mais vraiment une très bonne intensité dans ce match. On savait que ça allait être un double numéro 3 compliqué parce qu'ils ont aligné une grosse équipe en face. C'était aussi notre objectif. Et allez, il faut essayer de s'accrocher parce que si jamais on gagne ce double, bah, c'est fini, la rencontre est pliée. J'aurais même pas besoin de jouer avec Alexis. Ça fera 2-0 et on sera qualifié en finale. Et on se retrouve du coup 5-4, Puget au service pour conclure. Il y a 30 A. On est sur un point important. Et là, c'est dommage, la défense de Gilles qui a pas trop cru, il n'y a pas avancé. Et ça fait balle de match. Balle pour égaliser à 1 partout. Allez les gars, faut tenir. C'est vraiment important. Surtout que derrière avec Alex, ça va être compliqué. On n'a presque aucune chance de gagner, même si on va tout donner. Et malheureusement, la dernière volée de Gilles qui est faute. Et du coup, égalisation du TC Puget, 1 partout. Et c'est parti. Double décisive. Donc on affronte Cyril et Stéphane. Cyril qui est classé dans le top 1400. Stéphane qui est là aux alentours de la 2000e place, mais qui a déjà été top 1000. Donc on sait qu'on a un énorme match là qui nous attend et vous allez voir, le match va vraiment atteindre un très bon niveau et tenir toutes ses promesses. Bon, ça commence avec autorité de leur côté. De toute façon, on sait avec Alex qu'on va devoir être à notre meilleur niveau, voire plus, si on veut les accrocher, si on veut gagner et si on veut amener notre équipe en finale, c'est l'objectif. Il va falloir être parfait. Surtout qu'en face, ça joue très très bien. Je crois qu'un jour ou deux, là, avant la phase finale, ils ont fait un P250 ensemble pour s'entraîner, je pense. Et ils ont gagné le P250 pour vous dire que c'est solide. Et ça commence avec un jeu de service assez facile de leur côté. En tout cas, c'est moi qui attaque au service là pour essayer de recoller directement. Ouais, ça s'est très bien fait, cette balle dans les pieds. Important de prendre ce jeu. Pas les laisser s'échapper, ouais, ça c'est bien fait, je viens vite recoller. Là j'essaye de la faire sortir, malheureusement ça prend la grille, c'est défendu. Et on sait vraiment que là chaque balle peut être défendue, il faut vraiment être décisif dans nos envies, attaques. Voilà, c'est parfait, je vais trouver une très belle zone entre les deux. Allez, 30-15. Là, je prends le temps, j'essaye de venir encore une fois recoller le plus vite possible. Et ça va être décisif, 40-45, malheureusement on prend pas le point, 40-30. Allez, faut revenir à un partout. Bien fait ça, le lob. Ouais, malheureusement, magnifique zone de la part de Stéphane, je suis pris dans les pieds. Allez, on a encore une balle de jeu. Bien fait ça. Enfin, ça défend bien. C'est dommage, ça prend la bande. C'était un bon coup de la part d'Alexis, c'est dommage que ça passe pas. Ouais, derrière, encore une fois, bon enchaînement. On obtient une nouvelle balle de jeu. Allez, c'est la quatrième, faudrait concrétiser. C'est bien ça, on garde le filet. Malheureusement, ça lobe bien, on recule.
Attention, c'est un peu court. Ouais, bien fait. J'avais anticipé un gros match, j'ai été pris. Et attention, du coup, balle de break. Après nos occasions, là, on se retrouve en difficulté. Allez, c'est bien, je construis. Encore une fois, ça lobe bien. Allez, faut tenir. Allez, il me parle, je lui laisse. Bon lob, on reprend le filet. Bien joué ça. Allez, encore, faut revenir coller. Bien fait. Quel point. Magnifique ça, bien conclu. On a été solide. Allez, égalité encore. Un premier jeu de service là qui dure. On est déjà à plus de 5 minutes de jeu. Et là, la zone va être incroyable. Encore une balle de break à devoir écarter. Allez, ça reste dedans. Et malheureusement, là, je craque. Physiquement, je n'ai pas tenu là ce jeu qui a vraiment duré longtemps. Et on se fait breaker d'entrée, c'est dommage. Parce qu'on a eu, ouais, on a eu 4 balles de 1 partout. Il va falloir faire attention de ne pas trop rater les points importants et les balles de jeu. Parce qu'on sait dans les gros matchs, c'est ce qui fait la différence. Être encore meilleur sur les moments importants. Pour l'instant, on ne l'a pas été. Et du coup, on est derrière. Allez, 30A. Faut essayer de débriquer de suite là. Pour pas les laisser s'échapper. Parce que ça peut nous faire mal à la tête. Surtout après avoir raté des occasions. Donc important, voilà. C'est bien là, bon point. On obtient une balle de break. De débreak même. Allez, j'ai le temps. Je lobe au milieu, c'est un peu court. J'arrive à défendre derrière. Allez, ouais, bien fait Alex. Allez, allez, on tient. Là, je tombe un peu en arrière. Mais ça va être gagnant. Allez, on arrive à débreak, parfait. Ça nous lance notre match enfin. On prend un jeu. Jeu de service d'Alexis. Là, pour l'instant, se passe bien. On est à 30-0. Attention, ça flotte un peu. Ouh, heureusement, ça sort. Petit cadeau. Et on recolle à 2-2. Ça y est. On a rattrapé le retard. En plus, là, on profite de quelques fautes. Faut continuer. 0-15. Magnifique, là, le retour. Gagnant. Allez, c'est parfait. 15-30. Pourquoi pas enchaîner un troisième jeu d'affilée. Ouais, belle accélération. Dès qu'on rate un peu notre lob du côté gauche là sur Stéphane, on se fait punir directement. Faut faire attention à ça. Allez, 30A, point important. Et là c'est parfait. Dans les pieds, belle accélération. 30-40, balle de break. Pour prendre les commandes dans ce match pour la première fois. Et là je vais faire un magnifique passing. Et du coup on se retrouve à mener 3-2 après avoir été mené 2-0. Maintenant faut continuer. Mon jeu de service, mon premier jeu de service, bon, c'est fait breaker, donc là, faut essayer de faire mieux. Allez, on arrive à bien défendre, là, faut tenir. Parfait, le lob, on arrive à monter au filet. Oh là là, la zone est magnifique. Dès qu'on fait une balle un peu flottante, on se fait directement punir. Bien fait, ça, bien avancé. Oh là là, encore une fois, là, une faute un peu bête. L'intention est bonne, mais j'aurais dû faire un petit pas de plus vers l'avant. Et attention, 0-30. J'essaye de varier, j'accélère, derrière je colle bien, volée de revers. Allez, allez, j'essaye vraiment de mettre de l'intensité dans les jambes, voilà, c'est bien fait. Pour combler l'écart technique, le rattraper avec l'envie, l'engagement. Et y croire. 15-30. Allez, point important encore. C'est bien défendu. Là, je décide de lober. Ah, ça va sortir, c'est dommage. Alexis qui est un peu court là-dessus. 15-40, deux balles de débreak. Allez, allez, faut le tenir ce jeu. Et malheureusement, encore une fois, la bande du filet. On n'est pas trop en réussite pour l'instant. Ça fait 3 partout. Il y a eu beaucoup de breaks dans ce début de match. Bien fait le bloc. Très bon lob encore une fois. Ça tente la descente de vitre. C'était bien tenté, c'est pas grave de faire ce genre de faute. Au moins, on essaye. Allez, là, on arrive à bien tenir. Ouais, belle zone dans les pieds trouvée. Ça, c'est bien. Je me sens plutôt bien là, j'arrive à faire des bons coups, donc on est en confiance, on essaye d'en profiter. Allez, parfait, j'essaye de varier un peu là en jouant en parallèle. On fait défendre un peu plus Stéphane à gauche qui défend un peu moins bien que Cyril. Il attaque mieux mais il défend un peu moins bien. Et là encore une fois cette bande du filet, tout était bien fait. Et la volée d'Alexis qui va rester dans la bande. Et ça tourne à 4-3 contre nous, Puget qui reprend l'avantage. Allez. Pour l'instant, les services d'Alexis, c'est un peu mieux. Il y avait 30-0, maintenant 35, mais on est encore devant. Là, c'est pas mal fait, même si c'est défendu. Oh là là, quelle zone trouvée. Oh, court croisé. Magnifique, 30A. Attention, attention.
Une nouvelle fois un point à 30A, un point important. Tous les jeux sont disputés pour l'instant. Il a parfait. J'avance bien, je me projette bien. Volée gagnante, deux revers. 40-30, balle de 4 partout. Et là, malheureusement, petite incompréhension. Bah, c'est que le deuxième match seulement qu'on joue ensemble. Je pensais qu'il allait la prendre, mais au final, il était un peu loin. Et on se fait avoir et ça fait égalité. Ah, c'est bien joué, la descente de vide de Cyril Stéphane qui a plus qu'à conclure derrière, balle de break. Et là, encore une fois, la bande du filet. Ah, là, je suis dégoûté. Pourtant, j'ai fait l'effort d'avancer, mais j'aurais dû avancer encore un tout petit peu plus. Et on se retrouve mené 5-3. Là, ils sont au service pour remporter ce premier set. C'est assez rageant, faut essayer de s'accrocher. Là, malheureusement, ça va rester dans ma raquette. Allez, on est vraiment pas loin pour l'instant. Faut tenir. Faut pas perdre espoir. On a perdu des jeux avec des balles de jeu. Tous les jeux sont accrochés, donc ça peut tourner dans notre sens. Oh là, c'est bien fait. Fin de ce match, je suis un peu loin. Comme dès qu'il accélère, ça tape très très fort. J'ai essayé un peu de m'avancer et je me suis fait avoir. Là, encore une fois, il fait la feinte. J'arrive à la défendre. Allez, j'arrive à défendre l'autre balle après sur les talons, mais ça passe. On arrive à reprendre le filet. Et là, je vais essayer d'aller chercher la grille, mais malheureusement, c'est dehors de pas beaucoup. Ça fait 40-0, 3 balles de 7. Et ils vont conclure sur la première. Très, très réaliste en face, très costaud. Et du coup, c'est parti pour ce deuxième set. On est à 1-7 de la défaite. Et du coup, d'une non-qualification en finale. Donc là, on est un peu dos au mur. Il va falloir tout donner, tout lâcher. On n'a presque plus rien à perdre. Donc elle est importante de prendre ce premier jeu là, faire la course en tête. Surtout qu'on n'a pas réussi à gagner mon jeu de service encore. Donc ça pourrait nous faire du bien là. Très très bel enchaînement, très bon point, 30-0. Allez, c'est le moment. Bien fait ça, même si c'est défendu. Allez, faut venir recoller. Oh, la descente de vitre est parfaite. Allez, c'est pas grave. Bien ça, cette volée. Là, je varie un peu avec une feinte, c'est défendu. Bien joué, la descente de vitre, le lob derrière. Oh là là, c'est bien fait dans les pieds. Allez, allez, attention, il y avait 30-0, là encore une fois 30A. Là, je fais vraiment l'effort pour qu'on arrive à garder le filet. Bien fait ça avec la double vitre. Oh, enfin, c'est défendu. Le lob dans la diago. Bien fait. Oh là là, c'est pas possible. Oh, c'est incroyable, quel coup. Oh, ça fait mal à la tête. Allez, 30-40, balle de break. Là, je tente une volée amortie, c'est bien anticipé. Derrière le lob en volée, c'est pas trop mal fait. Allez, allez. Bien, bonne zone. Allez, attention. Faut tenir ce point. Ouais, bien fait. On a été solides là, tous les deux. On revient à égalité. Attention, ça flotte un peu. Allez, j'essaye à chaque fois de revenir coller un max. Mais c'est très bien lobé. Et là, attention, moi, c'est un peu court. Ça reste dedans. J'y croyais plus. Pas mal. Oh, c'est dommage. J'étais bien tenté, un peu gourmand sur la zone. Ça prend directement la grille. Et encore une balle de break. Bien, ça, c'est magnifique en avançant. Voilà, un jeu encore très serré qui dure, mais jeu de service décidément. Là j'essaye, je fais un sprint pour revenir coller, malheureusement je prends la balle un peu trop basse. Je la relève mais beaucoup trop haute. Ça fait encore balle de break. Elle est bien fait là, attention, faut coller. Bien, je bloque. Là je varie, je vais chercher droit devant moi. Gros point encore, non, ça va sortir. Et là c'est dur, on se fait breaker. Allez, c'est pas grave. On a breaké deux fois dans le premier set, on sait qu'on peut le faire. 0-30 en plus, là 0-40. Allez, 3 balles pour revenir directement un partout, c'est parfait. Voilà, le retour un peu court, derrière, ouais, magnifique la conclusion. Allez, c'est pas grave, encore deux occasions pour breaker. Attention de ne pas jouer trop court. Là, je vais me faire avoir par le rebond, c'est bien joué. 30-40. Allez, celle-là, c'est la bonne. Super le retour. Allez, faut venir au collet. Là, j'ai le temps, descente de vide de revers. Là, j'essaye de lui parler, finalement, il la prend. Ça va, je suis dessus. Allez, gros point, il est important, je rejoue dans les pieds, malheureusement un peu haut. Et Alex qui se prend la balle plein fer, il peut pas se dégager.
Oh oui, quelle défense. Oh là là, ça reste dedans. Je me donne. Allez. Oh là là, là je panique un peu. Mon attaque est pas top. Celle-là est un peu mieux. C'est défendu, mais ça va sortir. Allez, on s'en sort bien. Là, je fais une petite pause par terre. Je m'écroule un peu pour respirer parce que depuis tout à l'heure, ça enchaîne. Allez, égalité. Deuxième balle, je fais un bon retour. Oh là là, la chance encore, c'est terrible. Allez, c'est pas grave, faut passer à autre chose. On sait que depuis le début du match, on n'est pas trop en réussite, donc faut pas se focaliser là-dessus. Et malheureusement, là, ce bloc qui va s'échapper. Et après avoir mené 0-40, on a raté encore une fois 3 balles de break et on perd ce jeu. On est mené 2-0. Encore une fois, on rate des balles de jeu et on rate des points importants. Allez, allez, attention, attention, parce que là, 0-30... ça peut faire très très mal. 0-40, on arrive à sauver cette première balle de double break. Allez, 15-40, alors on n'a pas le choix. Perdre ce jeu, ça serait presque perdre le match. Magnifique la zone. On revient là, 30-40. Bien fait l'enchaînement. Allez, allez, encore. Je vais chercher la grille, j'arrive pas à l'avoir, mais c'est quand même gagnant avec la double vitre. On revient à égalité, à notre tour de revenir à égalité. Tous les jeux sont vraiment disputés. Oh là là, quel bloc, bien joué Alex, allez, allez, faut tenir. J'ai le temps, je rejoue dans les pieds. Bien fait le lob. Je bloque. Oh là là, quel point. C'est magnifique. C'est magnifique, bien joué, je peux rien faire. Ça fait encore balle de break. Allez, allez, allez. Oui, ça sort, ça fait du bien. Il faut vraiment plus faire de fautes. On est au filon, on le garde super, l'accélération bien fait. Là c'est bien varié, c'est la première fois qu'il lâche comme ça du match. Et derrière la volée gagnante, elle est parfaite. Deux points de patron de la part d'Alexis. Ça nous permet de nous accrocher et de revenir à 2-1. Maintenant il faut réussir à des breaks. Si on veut revenir dans cette et dans ce match. Allez, on essaie de s'encourager au max, on est à 0-30. Encore une fois une bonne situation là en jeu de retour. Bien fait le lob. Allez, parfait, la faute. Encore une fois 0-40. Deuxième fois d'affilée, là, dans 7, qu'on se retrouve à 0-40 sur nos jeux de retour. Allez, 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 attention. Malheureusement, le lob qui sort de pas grand-chose. Allez, il y en a marre de rater des balles de jeu, là. Faut le prendre, ce point. Et ça va être chose faite. Là, on profite d'une belle faute pour revenir à 2 partout. Allez, maintenant, faut enfin gagner un de mes jeux de service, s'il vous plaît. J'ai perdu tous mes jeux de service depuis le début du match. Bien fait, ça a bien distribué. Allez, on garde le filet. On les fait défendre. Attention, c'est dommage. Ça flotte un peu. Allez, allez, c'est pas grave. Vaut mieux faire ça à 15-0. Même si on sait que là, on n'a pas le droit de donner un seul point. Tellement c'est serré. Enfin, ça, par contre, c'est magnifique. Bien joué. Je me projette bien. Je la glisse en par 3. C'est une des premières fois de ma vie que je fais ça. Donc c'était assez bien. Oh là là, quelle défense là, la lette avec la grille derrière, c'est totalement fou le manque de réussite. Allez, on est encore dans le point. Bien bloqué, ouais, là malheureusement, je suis un peu court. Et je suis sur un peu derrière. Allez, c'est pas grave, mais ça fait 30-40 balles de break, j'arrive à l'écarter avec un bon service gagnant. Derrière, j'enchaîne deuxième service gagnant, ça fait balle de jeu. Encore une fois, un jeu très disputé qui va aux avantages. Magnifique ça. Ouais, parfait, c'est gagnant. La volée d'Alex qui s'écrase. On tourne à 3-2. Allez, on est bien dans ce match, hein, malgré tout. On se laisse pas abattre. On revient à chaque fois dès qu'on est derrière. On fait vraiment un des meilleurs matchs qu'on peut faire. Faut continuer et espérer que ça tourne à notre faveur. Attention, là, le lob un peu court. Ouais, encore une fois, direct la punition. Ça rigole pas face à des joueurs de ce niveau. Là, encore une fois, mon retour est un peu court. Derrière, ça conclut en ce match. Ouais, ça c'est mieux. Le lob est plus long. Parfait, ça nous fait monter au filet. Bien joué ça. Derrière, je colle. Magnifique la zone, j'ai varié avec la grille. Allez, 40-30, pourquoi pas. Là, parfait, on n'est pas tombé dans la feinte. Oh là là, magnifique la descente de vitre, Alexis. Égalité. Il y avait 40-0, on est de retour à égalité. Allez, plus que 2 points.
Oh là là, c'est incroyable le court croisé de Cyril là, en plus avec la grille qui s'écrase totalement. J'ai pas réussi à la prendre avant le rebond, malheureusement, cette balle. Là, j'essaye de la faire sortir, malheureusement, ça prend la grille, ça sort pas. J'ai tenté de faire le même par 3, mais c'est resté dans le terrain. Et finalement, on va se faire avoir, on va perdre ce point. Et ils vont revenir à 3 partout, encore une fois, là, quelques regrets. Allez, il faut tenir, là, en volley-volley, c'est compliqué. Oh là là, quelle défense incroyable. Allez, j'ai le temps là. Je repars sur un lob. Oh là là, dommage le bloc qui est encore une fois dans la bande du filet. Attention, attention, 0-30. Ça c'est monstrueux. Rien à dire, bien joué. 0-40, 3 balles de break. Allez, tout à l'heure aussi, on était à 0-40. On a réussi à revenir. Faut refaire pareil, là, on n'a pas le choix. Oh, c'est bien lobé. Allez, ça repart aussi sur un lob. Le bloc, c'est dommage, ça reste dans le filet. Cette fois-ci, on se fait break blanc. Ça tourne à 4-3 et là, on est vraiment en dos au mur. On est à deux jeux de la défaite. Bien joué, en face, ils ont tourné. Allez, faut en profiter. Attention, ça flotte un peu. Là, ils essayent de retourner. Oh, c'est dommage, la volée qui sort. C'était bien fait, malheureusement, on rate cette dernière volée. Allez, faut s'accrocher sur le jeu de retour. Encore une fois, la grille qui est contre nous. Là, Alex qui est en fissure. Moi, je préfère en rigoler. Allez, faut s'accrocher. Là, j'arrive à bien me déployer pour faire un bon retour. Derrière, je me projette bien. Allez, c'est bien ça. On se donne encore sur chaque pont. On donne tout ce qu'on a. Allez, là, j'ai le temps. Descente de vide de revers. Derrière, je vais chercher un lob. Attention, c'est un peu court. C'est pas mal fait. Allez, Alex, t'as le temps. Bien joué. Et là, ah oui, là, je m'en rappelle. Là, l'effet de la balle, incompréhensible. C'est magnifique, c'est bien joué. La balle qui est revenue sur elle-même. Allez, 40-30, oui. Quel retour. J'ai plus qu'à finir derrière. On revient à égalité dans le jeu. Allez, c'est maintenant. Là, on est dans le money time de ce match. C'est le moment d'osser encore plus son niveau de jeu. Ah, c'est dommage. Alex qui est un peu court, très belle volée de la part de Stéphane. Ça fait balle de jeu, balle de 5-3 encore. Allez, faut tenir. Oui, magnifique défense. Malheureusement, la grille qui remonte et on va se faire avoir. Oh là là, encore une fois, pas de réussite. Allez. 3-5, là je suis au service pour rester dans ce match. On a plus le droit à l'erreur. Faut qu'on les pousse à servir pour une place en finale. Les mettre sous pression. Faut gagner ce jeu absolument. Oui, bien bloqué, ça reste dedans. Allez. Parfait ça, on arrive à bien garder le filet, ça distribue bien. Magnifique volée, j'intercepte derrière. Oh là là, quelle défense. Quel point, la demi-volée. Allez, je suis dessus. Oh oui, j'en tombe. Allez, faut que je me relève. Le point n'est pas encore fini, même si je suis KO, faut tenir. Et là, la grosse faute. Ça fait du bien, ça nous fait souffler. Allez, 40-15. En face aussi, ça commence à fatiguer. Bien varié. Le lob, attention, c'est un peu court. Bon, là, il a le temps, tranquille. Oh là là, ça fait du bien, ça aussi. Allez, ça tourne. 5-4, Cyril au service pour remporter ce match. C'est maintenant qu'il faut débriquer. De toute façon, on n'a plus le choix. Allez, ça, c'est pas mal. Bon lob, on reprend le filet. Là, je reviens collé. Malheureusement, ça m'échappe un peu. Allez, 15-A. Bon retour. Oh là là, magnifique. Quel revers magnifique. Mais là, malheureusement, on va nous annoncer la balle faute. Là, il y a tous les membres de Puget à droite qui, avec Alex, on nous dit que la balle est faute, qu'elle a changé de trajectoire. Moi, je suis presque sûr qu'elle est bonne, mais je suis tellement fatigué que je n'ose pas me prononcer. Du coup, bah, on va perdre ce point. Là, je vous ai mis le ralenti. À aucun moment, la balle est faute. Je ne sais même pas comment on a pu nous l'annoncer faute. Là, je l'ai mis en 0-5. La balle qui touche bien le terrain, à aucun moment ça touche la vitre, à aucun moment la trajectoire a été changée. Et au lieu de faire 15-30, ça fait 30-15. Allez, c'est pas grave. Faut passer encore une fois au-dessus de tout ça et se reconcentrer. Allez, faut tenir. Là, on est un peu sous pression en défense. Oui, la grosse faute pour revenir à 30A. Allez, 30A. Bon, normalement, ça aurait fait 15-40, mais c'est pas grave. Bien défendu, ça, un peu à l'arrache. Super, le lob derrière, on recolle, j'arrive à bien bloquer.
Je vais chercher droit devant moi, c'est bien fait. Magnifique, on va chercher une balle de break. Allez, balle de break. On arrive quand même à obtenir une balle de break. Oh là là, malheureusement, ça va être bien fait. Je vais être un peu court. Égalité. Là, je tente un retour. Mon retour va être faute de pas grand-chose. Et du coup, ça fait balle de match, balle de finale, alors qu'on aurait dû des breaks normalement. Allez, allez, c'est pas grave, faut tenir. Faut s'accrocher. Service amorti, bon retour. Et là, la bande du filet qui vient mettre fin à tous nos espoirs. Et là, j'ai tout lâché, j'ai craqué. Énorme match quand même, bien joué à nos adversaires. On n'a pas eu de réussite, on s'est fait un peu avoir. Mais honnêtement, on peut être super fiers de notre match avec Alex parce qu'on était vraiment pas loin de ce niveau. Mais là, dans ma tête, je suis dégoûté, dégoûté pour nous, dégoûté pour toute l'équipe qui nous a supportés, qui a tout donné. Malheureusement, on va pas se qualifier en finale. Et voilà, fin de la demi-finale. Malheureusement, on a perdu avec Alex 6-3-6-4, un très très gros match. Notre équipe 2 a bien lancé, Simon et Yvan, ils ont bien lancé la rencontre en gagnant. Après, derrière, l'équipe numéro 3, gros gros match aussi, Gilles et Arnaud, mais ils ont malheureusement perdu. Et nous, avec Alex, là, le match que vous venez de voir en entier, on perd 6-3-6-4 sur une putain de balle de match. C'est dommage. Bon, on a fait un très gros match parce que franchement, ils sont vachement au-dessus de nous de base en termes de niveau de jeu. Et on s'est accroché, on mène 3-2 dans les 2-7. Alors qu'on est mené 2-0 dans les 2-7, on revient, on a des balles de jeu qu'on fait pas, on mène 0-40 sur un service qu'on fait pas, tous les jeux étaient serrés jusqu'à égalité. Et au final, ça se termine sur cette balle de match avec la LED qui s'arrête et qui s'écrase. C'est dommage, on n'a vraiment pas eu beaucoup de réussite dans le match. Ils ont fait plusieurs filets, des grilles qui descendent, mais on n'a pas lâché. On n'a pas été récompensé, mais honnêtement, c'est un gros match et on a pas de regrets, on a tout donné. On va faire un tournoi en plus avec Alex dans 2 semaines, donc ça va continuer à nous servir. Du coup, dans la prochaine vidéo, on jouera le match de la 3ème place, pas de finale, malheureusement, ça me rapportera un peu moins de points, mais ça sera toujours, je crois, 80 ou 100 points de prix. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous retrouve à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.